Salut à tous, aujourd'hui petite vidéo, j'ai pas eu le temps de terminer le montage de la vidéo de la fête de l'agriculture, je suis vraiment désolé, je vous l'avais promis, malheureusement je pense que ce sera le week-end prochain, j'espère, parce que le week-end prochain je suis encore beaucoup occupé, là j'étais déjà pas mal occupé ce week-end, j'espère pouvoir vous la sortir le week-end prochain grand maximum, excusez-moi encore, ça va prendre un petit peu de retard. Donc aujourd'hui, pour compenser, je fais une petite vidéo assez rapide de mon setup pour mes vidéos, allez c'est parti. Donc voilà, vous avez à peu près tout le matériel que j'utilise pour faire mes vidéos. Pour commencer, j'ai une petite batterie externe de 20 000 mAh qui m'accompagne, type à la fête de l'agriculture par exemple. Bien utile pour charger avec deux ports USB classiques. Ensuite, j'ai ma caméra secondaire, la GoPro Hero Plus. Donc grand angle, 1080p, waterproof. Une GoPro. Commence à dater un petit peu. J'ai avec un accessoire pour la main, donc je l'enfile sur la main pour faire simple comme ça. Mais je peux la mettre sur la main. Je m'en sers pas souvent parce que j'ai un peu de mal, comme elle n'est pas très bien stabilisée, ça bouge beaucoup. Et ensuite, j'ai ceci, je m'en suis pas trop servi encore. C'est pour accrocher la GoPro sur la tête. En gros, comme ceci, faudrait le régler un peu mieux, mais en gros, j'ai juste à mettre la GoPro après sur la tête. Le dernier achat que j'ai effectué, c'était pour l'ensilage, que vous verrez, ben, je voulais le mettre la semaine prochaine, mais du coup, je vous le mettrai sûrement la semaine d'après. C'est ceci, une ventouse, donc une ventouse que je peux coller sur ma fenêtre. Ouais, le rideau, et après, je peux la coller sur la fenêtre. Elle tient très bien. J'ai plusieurs modules de réglage, ça là. J'en ai plusieurs, comme ça je peux choisir vraiment l'angle que je veux. Elle est modulable dans plein de sens. Donc j'ai avec la petite pochette GoPro. Donc ça vous verrez, elle est dans la vidéo d'ensilage. Ensuite, on a ici un achat également pas trop vieux. C'est tout simplement un stabilisateur. Sauf que je m'en sers pas trop. C'est pour mon téléphone. Donc c'est un iPhone 8 que je vous montrerai après. Parce qu'en fait, il est déjà vachement bien stabilisé. Qui a servi pour les vidéos d'épandage d'engrais principalement. Sinon, bah, comme je le disais, mon téléphone est vachement bien stabilisé. J'ai également, c'était ma première caméra, c'était mon iPhone 5S. Que voici. Voilà, donc, téléphone classique. Pour terminer, j'ai ici une perche à selfie. Qui me sert en général pour mes intros de vidéos. Voilà, elle fait à peu près 1 mètre une fois dépliée. Je mets mon téléphone là. Donc bah, je peux régler en haut et en bas. Et la replier totalement comme ceci et comme ceci. Voilà. Et pour terminer, dernier accessoire de la GoPro, c'est ceci. C'est ce petit trépied qui doit faire environ 1m10 une fois déplié. Avec un support pour GoPro maison fait au scotch. Donc à la base c'était un trépied de télescope. Donc je mets la GoPro dessus. Il m'aura bien servi pour la télévision. Par exemple, pour les plans fixes. Après au champ, comme il est un petit peu volumineux et un petit peu long en installation, c'est pas le top. Mais sinon, bon, au moins je l'ai, il m'a pas coûté cher. C'est du fait maison. Donc voilà, là on a basculé sur mon ancien téléphone, puisque après ma caméra, bah, c'est celui-là, c'est l'iPhone 8. Je filme en général en 1080p 60fps, parce que j'arrive pas à mettre les vidéos en 4K sur YouTube. Donc là vous pouvez voir, le micro... Tout ce que vous entendez, ben en général, c'est avec mon téléphone. Sinon, ben là, par exemple, c'est avec ce téléphone-ci. Donc voilà, vous avez tout le setup. Il manque juste le logiciel de montage. Donc, je vais vous le montrer tout de suite. C'est ceci, iMovie. Voilà, donc vous pouvez voir. Fête de l'agriculture. J'ai déjà commencé à la monter. Mais ce sera une lourde vidéo d'environ peut-être 20 minutes. Il faudrait qu'il fasse le focus, ce téléphone, voilà. Environ 20 minutes, donc voilà, je vous fais défiler un petit peu. Donc là, tout ça, c'est pas encore monté, là, vous voyez. C'est pas cuté, j'ai tous les plans à la GoPro à mettre encore. Donc vous m'excuserez, mais ça met un petit peu de temps pour vous la préparer. J'ai envie de faire vraiment une bonne vidéo de qualité, donc vous m'excuserez. J'essaierai de vous la sortir la semaine prochaine. Donc voilà, laissez-moi encore un petit peu de temps et je vous la sors bientôt. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous aura plu. Donc là, au niveau du setup, on doit être sur du... environ peut-être un peu plus de 1000 euros, parce que on doit être... ça doit être même pas 10 euros, 25 euros,
Ça c'est 0, je l'ai eu gratuitement. Ça doit être le stabilisateur 30 euros. Ça on me l'a donné également. Là on est sur presque 200 euros. Là on est sur 50 euros. Là on est sur 3 euros. Et l'iPhone que j'ai, il était à 200 euros quand je l'ai acheté à ce moment. Et celui-là, il était à quasiment 400 euros quand je l'avais acheté. Donc voilà, vous avez mon petit setup. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner. Et sur ce, je vous dis à bientôt et tchuss.